Maintenant, comment partir sur un bon logo, une belle idée de logo? Je vais remettre logotype. D'abord, il faut arriver à bien analyser quelle est la demande, quel est le client et quel est l'essence qui pourrait définir votre entreprise ou l'entreprise qui vous demande de créer un logo. Dans le cadre où vous aurez à créer votre propre logo, qu'est-ce qui vous définit? Donc, bêtement, j'ai envie de dire que déjà, ce qui vous définit, ça peut être votre nom, votre prénom ou vos initiaux. Donc, en prenant les initiales de votre, de vos initiaux, bravo, de vos initiales, en prenant l'initiale de votre prénom et de votre nom, vous pouvez déjà faire un logo juste avec un jeu typographique. Ensuite, vous pouvez mettre peut-être des effets d'ornement. Donc, les effets d'ornement, ça peut être juste deux petits points, ça peut être un petit tracé, un petit effet dynamique. Enfin, ça peut être une signature, comme on l'a vu tout à l'heure. Et encore enfin, pour finaliser le travail de votre logo, ça va être la couleur. Quelle est la couleur qui vous définit le mieux? Donc, je passe un peu là, justement, des logos, que vous voyez à peu près les logos qui existent et sur quoi vous pourriez partir. Donc, vous voyez, la couleur de fond aussi hein, peut être intéressante. Ça, on le travaille en charte graphique par la suite. C'est quelles sont les couleurs qui vont être associées à votre logo pour que votre logo fonctionne. Voilà, donc vraiment Pinterest, puisez vraiment votre inspiration là-dedans. Si vous voyez un logo qui vous intéresse, qui vous interpelle, ben, prenez-le, mettez-le dans un tableau et essayez de voir comment vous pouvez le détourner pour faire votre propre logo. Là, on arrive sur des logos justement qui sont intéressants, vous voyez. Si vous avez votre logo à faire, vous pouvez très bien partir d'une illustration, d'un dessin que vous faites vous-même, et ensuite vous le vectorisez, puis vous pouvez mettre vos initiales ou votre nom dedans. Si vous avez un animal totem, ou un tatouage, ou quelque chose vraiment qui vous appartient, que vous êtes personnel, vous pouvez très bien l'utiliser comme logo. Donc là, ce que je vous proposais justement, de vous montrer, hein, vous n'êtes pas obligé de travailler Illustrator en même temps, vous pouvez juste regarder, vous reposer, comme ça, ça va un peu baisser la température de votre cerveau. Je vais vous proposer justement de créer un logo de toute pièce, de A à Z, en partant sur une contrainte. Donc j'imagine que j'ai un cahier des charges qui m'a été envoyé par un client via internet. Il me demande de créer un logo qui est un logo d'une agence de voyage un peu spécifique. Elle organise des visites en fait dans le pôle sud, donc dans des endroits où il fait très froid, avec du kayak, etc. Okay. Donc l'idée en fait, voilà, c'est vraiment un voyage un peu aventure, etc., qui va s'appeler Voy, V-O-Y. Ça c'est le nom, donc j'ai pas le choix, il faut que je parte là-dessus, ça s'appelle Voy, et c'est à moi de créer un logo. Donc pour créer un logo, je vais déjà essayer de voir dans l'idée du froid, de l'eau glacée, parce que c'est sur le kayak. Je vais peut-être pas forcément mettre un kayak, après je sais pas ce que va donner le logo. Hein. Je vais taper déjà iceberg pour voir un peu des idées d'iceberg. Vous voyez, ça pourrait être une idée de logo que je pourrais récupérer en lot poly, pourquoi pas. Les couleurs sont intéressantes à récupérer. Ces histoires de couleurs là, donc ça je vais peut-être d'ailleurs le mettre de côté. Je vais faire un copier l'image, quoi que je vais enregistrer en fait. Voilà, je vais me faire vraiment un dossier propre. Je vais le mettre sur mon PC. Hop. Tac. Lui il s'est créé deux dossiers, très bien. Voilà. Allez, on a un premier iceberg. Ça peut être pas mal aussi à travailler pour un logo. Là aussi, un des trucs intéressants. Alors, je veux pas que ça fasse trop cartoon non plus. Hein. Je veux que ça fasse logo. Faites attention. Il faut pas qu'un logo soit une illustration. Il faut pas raconter toute une histoire à travers un logo. Il faut vraiment arriver à l'essentiel, que ça soit assez épuré. Ça, c'est peut-être un peu trop complexe. Au niveau des couleurs, c'est intéressant quand même. Je vais le récupérer. Bon, après niveau iceberg, on a vite fait le tour. Il me reste la typographie à chercher, puis un petit élément, peut-être l'histoire du reflet là peut être intéressant. Donc typographie, je vais aller sur Dafont. Donc si je dois faire un logo pour un client, il faut que j'achète la police.
que je trouve. Donc, il me faut quelque chose qui fasse penser un peu au voyage, au trek, etc. Donc, dans Feu et Glace, ça, vous voyez, c'est typiquement ce qu'il faut que j'évite parce que là, on tombe trop dans le cliché et il faut vraiment éviter. Ça aussi, pareil. Hein. C'est trop évident, c'est trop cliché. Voilà, pour le coup, c'est trop cliché. Donc, on va éviter ça. Dans le rétro, alors tiens, cette typographie est intéressante. Alors, je vais mettre le mot Voy pour voir un peu ce que ça donne. Donc, là, vous voyez que du coup, c'est pas très intéressant. Ça pourrait être pas mal. Ouais, un peu trop géométrique quand même pour un voyage. Ça, c'est pas mal. Pourquoi pas? Je vais essayer de partir là-dessus après, on va voir ce que ça donne. De toute façon, rien m'empêche ensuite de changer d'idée en cours de route. Atoli. Ok. Alors, je retourne sur Illustrator. Je vais faire fichier nouveau. On va démarrer sur quelque chose de tout propre, tout neuf. Donc là, je vais importer mes images. Vous avez celui-ci surtout qui m'intéressait au final. Voilà. Ok. Je vais mettre ma typo tout de suite. Donc, on va mettre Voy. Et j'ai déjà oublié le nom. C'était le atelier. Atelier. Il est là. Donc je vais l'agrandir. Ok. Bon, la typo est. Je risque d'avoir quelques difficultés quand même, mais bon, on va voir. C'est un bon challenge. Donc ça, je vais le vectoriser tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Je vais récupérer maintenant les données de couleur que j'ai dans cette image. Donc, je vais prendre la pipette. Ce bleu-là est pas mal. Je vais ouvrir évidemment mes nuanciers. Ils sont là. Hop. Nouveau. Ok. Un peu plus clair. Prendre ici. Ouais, je vais prendre un panel du plus clair au plus foncé. Je vais prendre le blanc. Ok. Donc j'avais une idée de reflet et une idée d'un logo comme ça un peu en flat. Donc je vais dessiner un iceberg. Alors là, du coup, j'ai peut-être récupéré l'autre image. Importer. Ouais, après, ça reste une montagne. Hein. Ok, bon, allez, on va voir un peu comment on va dessiner tout ça. Donc, je dessine tout ça. Et je vais coller mon dessin. Je vous le dessine rapidement. Tchac tchac tchac. Et voilà. J'ai dessiné ce logo-là. Je vais le rapetisser. Donc déjà sur la typo, vous voyez que j'ai complètement changé d'idée entre-temps. Je vais mettre mon petit voy là. Ok. Donc le mieux c'est de le faire au crayon, de travailler là, je l'ai fait sur Tableau Velleda à l'arrache. Mais bon, moi je commence déjà à avoir mes formes là, ça peut être pas mal de travailler juste la vectorisation là pour l'effet de reflet. Hop. Je vais m'arrêter là, après quitte à le répéter. Ici, je vais en remettre un autre.
je vais voir au niveau dynamique ce que ça donne. Ensuite, donc j'ai Mail Train qui va arriver là, donc je vais peut-être aller un peu plus haut. Espèce ok. Paf, ça j'en ai plus besoin. Donc je vais utiliser ma petite couleur qui était là. Donc ouais, ça peut marcher ça. Mon void, il est ici. Je vais le mettre au premier plan. Parce que là, le pauvre, il est un peu caché. Allez, viens ici, toi. Voilà. Ok, donc c'est assez doux, ça marche assez bien. Donc maintenant, je vais peut-être travailler un peu des éléments de reflet, etc. Donc, je vais cacher ça. Donc, en imaginant que mes ombres soient portées sur la gauche, donc que la lumière vienne à droite, je vais dupliquer cet élément-là pour faire un masque d'écrêtage. Puis ensuite, je vais travailler juste en aplat dans un premier temps mes formes d'ombre. Je vais travailler, ouais, je vais faire un petit effet d'ombre fracassée là. Donc là, je vais utiliser le bleu foncé dans un premier temps, puis après, je retravaillerai. Là, on va arriver au sommet, on va fonctionner comme ça. Ok. Donc ces trois éléments-là, je vais les mettre en écrêtage. Alors mon écrêtage, il est ici. Je vais écrêter d'abord les deux premières formes, CTRL-7. Et ensuite, je vais rentrer mes autres formes à l'intérieur. Alors là, je vais le retravailler un peu. Parce que du coup, l'ombre, elle n'est pas trop justifiée ici. Voilà. Je vais peut-être utiliser du coup une troisième couleur. Une couleur un peu plus claire permet de faire une petite transition. Donc pareil, je vais me situer ici. Voilà. Donc là, je vais prendre cette couleur-là. Je vais faire pareil ici. Et pareil là. J'aimais bien le fait que ça soit bien droit là. Voilà. Ok, donc ces éléments-là aussi, hein, vous voyez, c'est assez simple. En fait, j'ai juste à les glisser, déposer à l'intérieur. Et automatiquement, ils sont dedans. Donc là, je me retrouve avec le même problème que tout à l'heure. Le but, c'est d'avoir ça en clair. Ok, ça, la petite pointe là, j'aime pas beaucoup. Donc j'essaie de retravailler ça. Et cet élément-là, en fait, il faudrait qu'elle soit en écrêtage dans l'autre. Donc on va pas faire ça, on va juste mettre la pointe au bon endroit. Cette pointe là, voilà, hop là, ok. Alors je vais remettre là du blanc de l'autre côté. Donc là, on va retravailler juste pour des petits reflets blancs un peu cassés. Hop, donc là, je vais mettre un bleu très clair. Ah oui, du coup, j'ai pas d'intermédiaire. Bon, ben, je vais mettre ce blanc là. Okay. Je vais mettre un autre petit reflet de ce côté-là. Oula. Excusez-moi, j'ai fait un malheureux double clic. Voilà. Je vais mettre une tache également ici. Ouais, je pourrais imaginer mettre un petit effet de relief là.
Ok, allez, je mets tout ça dans mon vase d'écrétage. Voilà. On est bon. Donc là, j'ai mon iceberg du haut. Ça, j'ai peut-être récupéré plutôt un bleu qui fait froid dans le dos. Voilà, ou peut-être celui-là. Bah voilà, utiliser deux couleurs, c'est pas trop mal. Ok, alors maintenant je vais réutiliser ma lettrine. Donc Voy. Davoy, voilà. Alors c'est pas trop mal. Après au niveau couleur, ça peut être rigolo le fait qu'il passe dedans et tout ça, mais c'est pas ce que je voulais. Donc ouais, on va le mettre au premier plan. Et je vais peut-être utiliser un contour. Tiens, on va tester ça. Donc je double-clique sur le contour. Pardon, je double-clique pas. Non, je vais réutiliser les couleurs que j'ai là. Je vais mettre mon contour à l'extérieur. Voilà, ça marche pas trop mal. Peut-être utiliser une couleur plus foncée pour que ça se mêle ici. Ou alors, allez, on va tester le dégradé. Allez, on va tester le dégradé sur le contour. Alors, je mets jamais de dégradé dans le contour, je déteste ça. Mais je vais essayer de me faire violence. Alors, je vais évidemment vectoriser le contour. Ça gâche un peu, hein. Bon, je vais peut-être mettre en arrondi aussi pour éviter les pics. Voilà, vous voyez, du coup c'est un peu plus souple. Pourquoi pas? Bon, allez, on va tester. De toute façon, il faut se lancer. Objet, tracer, vectoriser le contour. Ok, et donc je vais mettre dans l'aplat ce dégradé. Alors, je vais n'utiliser que le contour. Je vais faire un petit contrôle Y parce que je vois pas trop ce qui se passe. Oui, ok, d'accord. En fait, j'ai les contours qui sont séparés. Donc là, si je veux mettre un seul dégradé sur toutes mes formes, il va falloir que je fasse le fameux Coupon Pass, donc le tracé transparent. Donc là, je vais plutôt regarder dans les calques ce qui se passe pour être sûr de rien manquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes formes intérieures, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vais faire donc un objet. Tracé transparent créé. Ah oui, parce qu'ils sont sur des calques différents. Du coup, j'ai peut-être répondu à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Je vais les sortir du groupe. Et je refais mon objet tracé transparent créé. Voilà. Là, j'ai un tracé transparent. Pareil pour les éléments qui sont là. Du coup, je vais les sortir du groupe. Voilà. Allez, on sort du groupe. Voilà. Je sélectionne. Et je refais donc CTRL 8 pour le Coupon Pass. Très bien. Donc maintenant que j'ai mon tracé, je vais appliquer mon dégradé. Donc là, vous voyez que le dégradé, du coup, s'applique à tout. Je vais mettre un dégradé. Ouais. Comme ça ou dans l'autre sens d'ailleurs. Non, comme ça. Je trouve ça mieux. Et puis, je vais gérer. Avec les couleurs, des couleurs glaciales. Il fait froid d'un coup. ça, je vais peut-être le placer au niveau justement du milieu. Donc, vous voyez, en fait, la typographie, elle est pas timide. N'hésitez pas vraiment à l'utiliser comme élément graphique de votre logo. Bon, je suis pas super content du contour. Je trouve que ça fait... Ouais. Bon, mais on va laisser comme ça. Même en fait, j'aurais peut-être dû retravailler la typographie, l'empattement qui est là. Je le trouve pas super terrible. Mais bon, on va laisser comme ça. On pourrait utiliser l'intérieur ici comme mettre un kayak dedans. Mais ça serait trop raconter de choses. C'est pas la peine d'aller si loin. Ni de mettre une pagaie pour un kayak. Ça suffit largement. J'aurais pu privilégier également d'autres couleurs, peut-être même plus chaudes. Donc là, ça rend pas très bien le rouge. Alors là, ça fait très très Volvic, très, je sais pas, très supermarché. Le vert, ça reste dans les francs.
On peut peut-être essayer de trouver une couleur. On va rester dans les bleus, hein, je crois, de toute façon. Ouais, non, mais je crois que le blanc, c'est ce qui passe le mieux. Hein. Allez, on va rester en blanc. Ok. Alors, très honnêtement, j'aime pas du tout le contour. Ouais, le contour avec dégradé, j'ai jamais aimé. Je savais que j'allais droit dans le mur. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus doux comme ça. Je vais peut-être d'ailleurs juste dupliquer ce groupe-là. Faire un petit décalage là et peut-être mettre un bleu foncé. Voilà. Voilà, comme ça au moins on voit les lettres et ça fonctionne pas mal. Donc si je trouve qu'il y a des déséquilibres, etc., il y a une solution qui existe. Alors là, il est suffisamment bien équilibré, mais peu importe, je peux très bien imaginer de mettre un rond, ça équilibre tout de suite n'importe quel logo. Ça, c'est même un exercice que vous pouvez faire, même si vous n'en avez pas besoin, de voir si votre logo est bien équilibré. Vous mettez un rond, tout simplement, avec un tracé. Un peu le grossir. Et vous regardez si le logo fonctionne bien dans le rond. Là, vous voyez, en fait, ça redonne une impression vraiment d'estampille, un truc comme ça, qui marche assez pas mal. Je vais peut-être même un peu le resserrer. Je vais le faire passer derrière. Voilà. Et après, je peux mettre peut-être une couleur plus douce. Alors ça, si je fais ça, ça fait montagne, ça fait moins iceberg. Là, ça fait déjà plus iceberg. Je crois que ça marche pas mal aussi. Comme ça. Oui, donc je vais d'abord vectoriser mon contour. Vectoriser le contour. Voilà. Je peux aussi utiliser un dégradé. Oh, je vais rester là-dessus en fait. Donc ça fonctionne. Mais maintenant, il faut que vous vérifiez si votre logo fonctionne sur un fond. Donc si par exemple, imaginons que votre logo se retrouve sur une affiche dans laquelle le fond est rouge, est-ce que le logo fonctionne sur un fond rouge? Donc je vais créer un nouveau calque, je vais mettre mon fond rouge dedans. Et je regarde. Donc là, vous voyez que mon logo, ici, j'ai de la transparence. Donc c'est à vous de vous dire, est-ce que je veux cette transparence ou pas? Donc du coup, si vous ne voulez pas de transparence, ben, il faut prévoir un cercle supplémentaire. Hop, je vais le replacer comme il faut quand même. Voilà. Qui peut être blanc, hein, par exemple. Pas dans le bon calque. Le bougre. Voilà. Donc voilà, du coup là, j'ai un fond blanc. Si je voulais de la transparence qu'au niveau de la montagne, bah, du coup, c'est à vous également de retravailler votre cercle. On peut très bien imaginer de la transparence au-dessus. Etc. etc. Et n'oubliez pas. Le blanc, parce que le défaut que vous allez faire, c'est de travailler avec un fond blanc et pas vous rendre compte si ça fonctionne ou pas. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, petite astuce, c'est plutôt qu'un fond rouge, travailler sur un fond gris. Vous mettez un calque, vous créez un bloc en gris foncé. Voilà. Et vous travaillez votre logo sur fond gris. Le gris étant neutre, déjà, ça va pas choquer par rapport aux couleurs, mais c'est toujours mieux que du blanc ou que du noir. Du gris, c'est parfait. D'ailleurs, le gris fonctionnait bien pour le logo. J'aurais pu mettre d'ailleurs un fond gris derrière. Ça aurait été pas mal. Voilà pour l'anatomie de la créativité. Donc voilà, je suis un peu parti de rien. Je suis parti d'idées que je suis allé piocher à droite à gauche. Un dessin fait au Velleda. Un choix de typographie, un choix graphique, et vous arrivez à ce style de logo. Et bien c'est la fin de chapitre Illustrator. On a vu intégralement Illustrator. Vous avez plus qu'à créer, j'ai envie de dire. Allez, ciao! Est-ce que vous avez des questions?